Eh bien, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien pour ma soirée super. Aujourd'hui, on se trouve derrière le camp. Mon camp est juste derrière, vous pouvez le voir. Aujourd'hui, on va commencer à attaquer pour faire un petit jardin, un endroit pour mettre des petites graines. En ce moment, c'est la période, donc c'est super. Je vais faire quelques. Je vais bien labourer la terre, enlever toutes les branches, tout ce qui sert à rien. Et puis, commencer à, voilà, à bosser. Donc là, ça va être du gros boulot. Et en espérant que des animaux vont pas venir pour bouffer mes graines. Ce serait con. Mais bon, on va. Voilà, c'est les risques. Hein. Au pire, je ferai. Au pire, ce que je peux faire, c'est que je peux faire un petit enclos. Peut-être pas ça aujourd'hui, mais peut-être une prochaine fois. Déjà, on va bien labourer la terre. Allez, c'est parti. Donc l'endroit où je vais choisir, c'est par là. Pourquoi? Parce que ici il y a du soleil jusqu'à tard. Et on est juste en dessous d'une pente, donc ce qui peut ramener pas mal d'eau. Donc ça c'est pas mal pour alimenter mes graines en eau. Donc là j'ai enlevé toutes les branches et commencé à labourer. Donc voilà, donc la terre est labourée. C'est compliqué, ça fait mal au dos surtout. Donc là ça rend vraiment propre. Mais là c'est pas encore fini, faut que j'aboie encore. Au moins 2-3 fois. Puis, vraiment j'ai une terre homogène. Donc ah putain, mais une branche qui est rentrée dans le cul. Faut encore labourer pour que j'ai vraiment une terre homogène. Là j'ai tous les moustiques qui arrivent, c'est impressionnant. Bon allez, c'est reparti. Donc là je remets bien la terre bien droite. J'essaie d'enlever aussi en fait tout ce qui est mauvaises herbes, les petites branches, tout. Là, j'ai vraiment une terre, une très bonne terre. Là je vais attaquer à faire des lignées, des petites lignées comme ça là, un peu de partout. Donc je vais voir ce que j'ai planté, des radis ça c'est sûr. Puis après je vais voir ce qu'il y a, enfin ce que je peux mettre. Donc voilà, donc là j'ai fait des tranchées, une petite tranchée tranquillement là, un peu de partout. Donc ça rend bien. Je vais mettre une bâche au-dessus pour que la terre soit bien humide, que j'ai une bonne terre, et puis que aussi bah, ça fasse que ça protège des animaux qui viendront marcher ou carrément même se coucher dessus. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.